Le bateau, il n'est pas fait en un seul morceau, mais en 14 parties. Chaque partie est construite à l'envers. Et on commence par la structure la plus grosse vers la plus petite, en terminant par les tôles de coque. Depuis 2020, on a travaillé longuement à la conception de notre prochain navire. On a signé avec un chantier breton qui a une implantation au Vietnam, donc on est parti à Ho Chi Minh Ville. La conception du navire, on y a passé des milliers d'heures. D'abord avec les architectes de L2O Naval, puis avec ceux du chantier Pinryu. Et c'est leur expertise qui nous permet de concrétiser notre rêve. Tout le navire a été dessiné sur un logiciel de dessin 3D, et on continue à définir les dessins. Aujourd'hui, on est rendu à placer la moindre vanne et la moindre ampoule, et ça nous permettra d'éviter les surprises. Le bateau, il n'est pas fait en un seul morceau, mais en 14 parties. Chaque partie est construite à l'envers, et on commence par la structure la plus grosse vers la plus petite, en terminant par les tôles de coque. Aujourd'hui, chacun des morceaux est en construction. 4 sont déjà assemblés, c'est les parties inférieures de nos cales, et on les met dans la cale sèche. Les autres morceaux vont venir être assemblés sur cette partie centrale. Quand le morceau est prêt, on le sort du hangar, on l'amène à proximité de la cale sèche, et ensuite il est levé, retourné, puis assemblé aux autres morceaux. Le bateau sera un vrai voilier, mais également un vrai cargo. Conçu comme un bâtiment passif, on pourra tuer le bilan carbone sur l'export de nos vins et l'import de nos cafés et chocolats. Ce bateau va également permettre d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre société, en offrant à qui le veut la possibilité de décarboner le transport. Alors, si c'est votre cas, n'hésitez pas, contactez-nous.